Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, on se connecte et on fonce tout de suite sur les events et malheureusement toujours pas de plus que des gemmes. Alors là pour le coup, on se doute qu'il ne va pas pop pendant le roi des cartes, il me semble. Alors de mémoire, ça arrivait une fois au tout début du roi des cartes, mais toujours pas d'event plus que des gemmes. Ça commence à être long. Certains d'entre vous en commentaire me disent que pour eux sur leur serveur, le cooldown n'était pas de 45 jours comme je vous l'ai dit, mais de 2 mois. Donc ils parient sur une arrivée, donc on est le 3 juin vers le 15 juin. Donc encore dans une dizaine de jours, voire 2 semaines. On va bien voir de toute façon, mais apparemment le timer a bien changé. Alors moi j'ai jamais connu 2 mois, ça a toujours été 45 jours, sauf une fois 35 jours. Mais j'espère vraiment, de toute façon on va bien l'avoir, hein, mais j'espère qu'on va l'avoir sous peu, puisque là les events commencent à être rares et on a besoin de paix avant l'arrivée du prochain KVK. J'en reviens à la vidéo d'hier. Si vous l'avez ratée d'ailleurs, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, 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 les amis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment énormément. Donc, on en revient à cette statue de la vidéo d'hier. J'ai été étonné parce que certains d'entre vous disaient que c'était une statue de César. Et non, pas du tout. Il s'agit bien d'une statue de Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, si vous aviez zoomé, on le voit, c'est écrit, donc il fallait être vicieux et zoomer. Et c'est bien une statue de Jeanne d'Arc à Blois, donc pour ceux qui l'ont trouvé dans un parc à Blois. Donc bien vu Blois, pour ceux qui ne sont pas français ou pas de la région centre, c'est proche de l'Île-de-France, la ville de Blois. Donc. Et donc il y a une belle statue de Jeanne d'Arc. On passe à la statue suivante, puisque j'en ai une autre pour vous. Celle-là aussi est intéressante, hein. Alors là, à mon avis, beaucoup vont trouver le lieu et la statue. C'est une très très belle statue. Est-ce qu'elle ressemble au commandant? Je dirais non, pas trop. Elle est pas trop ressemblante. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est une autre époque de sa vie. Mais en tout cas, essayez de trouver qui est cette statue et où est cette statue. Elle est vraiment magnifique. Et évidemment, n'allez pas tricher en allant voir sur Google, puisque vous risqueriez de trouver. Je vous invite à essayer de trouver vraiment avec le skin, avec la dégaine du personnage, voir quel commandant se cache derrière cette statue. On parle aussi hier dans la vidéo, je vous avais dit que que je vous présentais les skills, on avait évoqué les skills de contrôle et qu'on n'était pas sûr, que moi-même je ne savais pas ce qui se cachait derrière tout ce qui était skill de contrôle. Eh bien, on a un de nos amis Vini qui a posé la question à Charles en fait, et donc il lui demande: qu'est-ce qui se cache derrière les effets de contrôle? Et donc, il répond tout simplement que derrière les effets de contrôle, c'est le support VIP. C'est Charles, hein, qui nous donne cette information. Alors, pour rappel, Charles, quand vous êtes en support VIP, c'est vraiment que vous êtes un très très gros dépensier et l'un des premiers dans le jeu à avoir eu le support VIP. Quand c'était le cas et que vous avez claqué vraiment énormément d'argent, vous avez accès à Charles. Je ne sais même pas si aujourd'hui on peut encore avoir accès à Charles. C'est vraiment un support VIP plus plus, je dirais là pour le coup, lorsqu'on a accès à Charles. Donc Charles est plutôt fiable aussi dans ses réponses, voire très fiable. Et donc derrière Charles se cache le support plus plus, qui nous dit que les effets de contrôle, c'est le silence, le désarmement et les debuffs comme celui de Takeda, et aussi le poison comme celui de Tomiris. Donc voilà, on a la réponse derrière les effets de contrôle. Voilà tout ça. Alors, ils auraient dû mettre tout simplement tous les debuffs, hein, au lieu des effets de contrôle, ou les classer. Ça serait bien, comme ils l'ont indiqué lors dans les retours des dev feedback, qu'ils améliorent leur linguistique et qu'ils classent. Ce serait bien si on avait une petite fenêtre qui classait et qui nous disait une catégorie, par exemple catégorie A, B, C, qui nous disent que c'est un effet de contrôle, un effet de ralentissement, etc. Ce qui nous permettrait, lorsqu'ils annoncent des choses comme ça, de les classer directement eux-mêmes, de mettre une petite lettre indicative. Ça serait, ou une couleur tout simplement sur le mot, puisqu'on peut faire de la coloration syntaxique. Ça serait vraiment très très performant et ça nous éviterait à chaque fois de contacter le support VIP, sachant que tout le monde n'a malheureusement pas accès à ce support et d'autres doivent se contenter du support standard in-game qui donne que des réponses de robots qui sont vraiment toutes pourries.
En parlant de notre ami Vini, alors pourquoi je fais le lien avec Vini? Car Vini vient du P245, il était avec Baba. Je ne sais pas s'il a migré avec lui, je pense pas, puisque Baba est parti tout seul chez les JWM. Et regardez justement ce message de Baba qui a été publié sur les réseaux sociaux. C'était un échange entre Baba et Ronnie. Donc on savait qu'il y avait eu un clash que je vous avais présenté avant le KVK saison 4 entre Baba et Ronnie, puisque Baba était parti des P245 pour aller chez les M245 et gérer l'alliance en disant qu'il trouvait inacceptable le comportement qu'avait justement Ronnie. Et cette conversation suite à la migration de Ronnie et de Baba a refait surface et certains critiquent très durement Ronnie suite à ce message qui vient de paraître. On le voit donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, on voit que Baba reproche à Ronnie d'avoir kické un joueur qui s'appelle Mervan. Il lui a dit qu'il ne comprend pas Baba et qu'il va avoir des problèmes avec Baba, que Ronnie va avoir des problèmes avec lui. Il lui dit que s'il veut la guerre avec lui, donc si Ronnie veut la guerre avec Baba, il va la voir. Et Ronnie lui répond simplement que la contribution de Mervan était trop basse pour l'Alliance, pour les P245. Donc c'est pour ça que Ronnie l'a kické. Et Baba lui répond qu'il avait décidé donc de ne pas rester dans ce lieu. Alors on ne sait pas s'il parlait de l'alliance ou du serveur, on ne sait pas à quel moment avait lieu cette conversation. Et donc qu'il ne resterait pas dans cette alliance, là où ses amis se font kicker. Et donc voilà une des sources du clash. Donc on le voit bien, en tout cas, les relations sont pas saines entre ces deux grands joueurs, parce que ça reste deux grands et bons joueurs. Alors grands du moins, ça reste des bons techniciens. Ils ont des bons commandants, même si malheureusement ils affichent quelques défaites. Mais pour gagner, il faut savoir perdre, bien évidemment. Je suis bien placé pour le savoir, puisque moi aussi j'ai eu mon lot de petites défaites, notamment en KVK ou en League Osiris. Passons à présent, justement, en parlant de KVK, les amis. On va aller se pencher sur le KVK 65, un KVK où on a déjà été, puisque a ouvert il y a un peu plus d'un jour à présent les portes de niveau 5 sur ce KVK. Et donc, je vous ai fait un record de l'ouverture et de la préparation, et c'est assez intéressant à voir. A few moments later. Alors, comme vous le voyez là, les positions, donc je vous le rappelle, hein, on a ce bloc de violet hein, et pas mauve. Vous avez vu, j'ai bien retenu vos dizaines de messages sur le fait que c'était violet et pas mauve. Le violet et le jaune qui sont ensemble. Je vous rappelle, le KVK 65 est un gros KVK hein, avec notamment chez les rouges, donc contre les jaunes, on a Evil Noon qui est un joueur assez connu. Si vous le connaissez pas, c'est un gros guerrier, un gros joueur avec beaucoup de comptes, un bon gros payeur. Une bonne grosse baleine comme Lilith les aime. Donc on a les jaunes qui sont une des très grosses alliances sur le secteur. Donc KVK 65, si je dis pas de bêtises, c'est leur deuxième KVK. Et on le voit là, il y a déjà des grosses alliances, hein, une alliance à 8 milliards, une alliance à 7 milliards. Donc rien que le jaune, déjà, il affiche déjà en deux alliances 15 milliards. Donc ils sont sur ce flanc-là. Et ce qui est étonnant, c'est que là, on se retrouve à 25 minutes, 30, 20, entre 25 et 30 minutes avant l'ouverture des portes de niveau 5. Donc pour aller dans les zones, les grosses zones de combat, c'est là vraiment que le gros combat commence lors du KVK saison 2, hein, nostalgie de ce KVK. Vous voyez, c'était à 26 minutes 36 secondes précisément. Et il y avait peu de mobilisation. Vous voyez, je me mets sur cette porte là. Et cette porte là, déjà, il n'y a personne. Donc on se dit, on va le voir, on va le faire, je vais faire le tour de toutes les portes. Et après, on ira voir la situation en live, ce qu'elle est devenue. Et on le voit là, les deux portes là, déjà, qui vont en zone Okuri. Personne dessus sur ce côté-là chez les jaunes. Donc de l'autre côté, on le voit, les bleus ont totalement, donc que ce soit les bleus clairs ou les bleus foncés, ont totalement enfermé le rose. Mais les roses, je le sais, on me l'a dit de chez eux, se préparent à sortir et faire une poussée, puisque lorsque la zone va ouvrir, ils vont être occupés, les bleus, à se battre sur leur flanc, même s'ils ne sont pas du tout préparés. Là, c'était vraiment ce qui m'a étonné. J'ai rarement vu un serveur avec autant déjà de gros joueurs, de grosses alliances, et avec si peu de mobilisation à 25 minutes avant l'ouverture des portes. Donc on l'a vu en Okuri, pratiquement aucune troupe. Là, on est sur le côté Masha, pratiquement aucune troupe. Et pourtant,
Sur le côté machin, vous le voyez, le bleu, les deux bleus sont face au vert. Les verts, eux, sont pas là pour plaisanter. Eux, en revanche, sont très mobilisés. Donc, c'est vraiment étonnant. On se retrouve sur un flanc où on a le bleu foncé, le bleu clair, le jaune et le violet qui sont contre le rose et le vert notamment. Et le vert là, lui, est très mobilisé et ils sont prêts à aller en Haute-Curie pour justement aller aider le rose. Et le rose va, qui a été enfermé dès le début du jeu, dès l'ouverture des portes de niveau 4, va se servir une belle alliance à 7 milliards. Et demi, encore une fois, là va se servir de la poussée des verts, veut se servir de la poussée des verts. On ira voir après s'ils ont réussi, justement pour sortir. Donc, ils sont tous mobilisés sur une seule des deux portes. Hein. Le orange, lui, qui est avec le vert, n'est pas mobilisé sur ce flanc-là. Il est mobilisé sur le flanc Kalcha. On regarde, non, même pas. Donc, vous le voyez, le flanc Kalcha. On peut penser que ça va être un flanc qui va être stable, puisqu'il n'y a pas de mobilisation. Effectivement, c'est un flanc qui ne va pas avoir de bataille, puisque le orange et le rouge, donc le rouge, le serveur des Vinloun, sont sur leur zone et sont sur une zone où il n'y aura pas de combat. Vous le voyez, hein, le rouge, il laisse pas trop de place au orange. Hein. Le orange, même s'ils ne sont pas en guerre et s'ils sont alliés, ça ressemble plus à un accord de paix. Si vous êtes sur serveur, dites-moi ce qu'il en est précisément, puisqu'on dit que le orange et le rouge sont alliés, mais vous le voyez, hein, le rouge ne laisse pas de place au orange. Ils se bataillent pas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de destruction de drapeau, mais en revanche, il n'y a vraiment pas de place pour qu'il y ait des bâtiments. Voilà, la grosse guerre la plus dure va avoir lieu sur cette zone-là. On y arrive sur cette dernière zone où on va avoir, de mon point de vue et de ce que j'en ai vu, les deux plus gros serveurs, à savoir le rouge, même si la mobilisation elle n'était pas énorme là, le rouge qui va combattre à la fois le violet et le jaune sur ce flanc-là. Et vous le voyez, le violet est le plus mobilisé. Alors ça, c'est intéressant puisque on a le violet qui est le plus mobilisé sur cette porte, alors que de l'autre côté, il s'est fait enfermer totalement et le jaune ne vient pas les aider hein, pour le moment. Il s'est fait bloquer totalement à l'ouverture des portes de niveau 4. Les portes sont, alors on ne peut plus les sceller à présent, mais elles sont bien entourées de forteresses. Et pourtant, de l'autre côté, ils ne sortent pas. Donc là, la mobilisation à 25 minutes avant l'ouverture des portes était assez étrange et était assez faible. On pourrait croire qu'il y a un accord entre les 8 royaumes, alors que pas du tout. On l'a vu, hein, il y a déjà eu des trahisons, des retournements de veste. Il y a vraiment des grosses tensions et il n'y a que deux gros points de mobilisation. D'un côté, les verts en macha qui sont prêts à aller en découdre, et de l'autre côté, au nord, les violets qui veulent aller dans cette zone au nord, cette zone Kalcha, pour vraiment aussi en découdre avec le rouge. On va aller voir à présent ce qui se passe in-game et où on en est à hein, plus de 24 heures de l'ouverture de ces portes. 12 seconds later. Donc on s'y rend, hop, on dézoome. Le KVK numéro 65. Tac, 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 KVK. C'est vraiment les KVK à l'ancienne, hein, comme on les aime. En tout cas, moi j'apprécie vraiment parce que c'est des KVK où on a vraiment des grosses batailles. Déjà à l'ouverture des portes de niveau 4 et à l'ouverture des portes de niveau 5, ça devient tout simplement énorme. On s'y rend, ces KVK sont vraiment très impressionnants. Hop là, on y va. Je dis très impressionnant parce que pour des KVK qui sont qu'en saison 2, ils sont énormes. Et vous le voyez, donc on regarde. Donc on est sur la première zone. Vous le voyez, on commence avec le serveur jaune, comme je vous l'ai dit. La zone a ouvert en Haute-Curie, mais aucune bagarre, rien, pas de bataille. Le bleu a pris sa porte, le jaune a pris sa porte, mais ils sont vraiment détente. Et de l'autre côté, ils ont direct mis une forteresse et direct pris la porte. C'est ça qui est intéressant. Vous le voyez, hein, ils ont direct pris la porte au curé au sud. Bon, c'est pour passer, hein, parce qu'ils sont avec le blanc d'alliance. Et regardez ce que je vous disais. Le rose a bien réussi à sortir, malgré le fait qu'il avait été enfermé par les deux bleus. Là, le rose est sorti. Et le rose a fait comment pour sortir? On le voit, et c'est pour ça que le jaune va devoir venir les aider forcément. On le voit, il a profité de la percée du orange et du vert. Le orange et le vert qui sont passés vraiment en force. Hein. Regardez le vert qui était très préparé. Donc pour le moment, c'est conforme à ce qu'on a vu des préparations. Le vert sur ce côté sud était le plus préparé en zone macha. Et clairement, il a roulé sur le bleu. Il est passé. Le orange est venu l'aider. Alors, est-ce qu'on a une zone de contact ici? Oui, on a une zone de contact ici. Et les mecs veulent en découdre. Hein. Donc, ils vont vraiment probablement aller chercher cette porte-là. Ils sont en train de bien avancer. Donc là, les deux bleus sont vraiment à la peine. De l'autre côté, on a le rose. Alors le rose, est-ce qu'il a réussi à percer là? Ouais, même le rose a réussi à percer. Donc les bleus sont pris. Les bleus, parce qu'on a le bleu clair et le bleu foncé,
sont pris en étau sur les deux côtés, c'est la meilleure stratégie. Et je vous en ai souvent parlé dans les différentes chroniques de KvK que je vous ai fait de cette stratégie, qu'un serveur arrive à sortir lorsque ses alliés arrivent à le rejoindre s'il est enfermé dès le départ. C'est loin d'être fini, je vous le dis, quand vous êtes dans cette situation, et je vous l'ai souvent dit, c'est très loin d'être fini. Vous pouvez encore sortir, même si évidemment là il y avait un scellage d'une puissance de dingue, puisqu'il y avait toutes les forteresses à dégager s'ils avaient voulu passer. Ils ont pu passer sur l'autre côté, qui était moins bien défendu, moins bien fermé, et vraiment ils ont pu aider à pousser. Ce qui est étonnant, c'est de l'autre côté le jaune qui ne vient pas du tout aider sur ce flanc-là. Donc on va voir s'il est occupé sur le flanc nord, mais le jaune ne vient pas du tout les aider sur ce flanc-là, et ils sont vraiment repoussés. Donc là, l'alliance Devil Noon, hein, les oranges, verts, rouges et roses, ça sent bon pour eux pour la suite de KvK, puisque là, ils sont vraiment en train de... Alors, cette forteresse, elle doit brûler, à mon avis. Ouais, ça brûle. Ils sont vraiment en train de se faire écraser au sud. Là, l'alliance du jaune, je dis le jaune parce qu'il me semble que c'est le serveur le plus puissant de l'alliance. Donc, de l'autre côté, évidemment, il ne se passe rien sur cette zone-là. Kalsha, ils sont en zone détente. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de préparation. La porte a été laissée pour qu'ils puissent passer au orange, même si vous le voyez, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est laissé orange là par les rouges, hein. Les rouges ne laissent pas exister les oranges. Donc il est très probable que si c'est l'alliance des rouges Devil Noon qui prend la terre du roi, ça va être les rouges qui vont avoir la ziggourate. C'est le plus probable vu la physionomie, car là déjà en zone Zarat, ils laissent rien aux oranges. Je pense pas qu'ils vont laisser grand-chose aux autres, à part leur laisser le droit d'avoir des récompenses et de survivre. Donc le jaune, comme je vous le disais, il va pas du tout défendre au sud, même s'il a pris une porte juste pour passer très probablement des troupes et poser une forteresse peut-être plus tard. Et grosse bataille, très gros fight là. Le mauve qui était préparé, comme je vous l'ai dit, et le rouge, pas assez à mon goût sur ce côté-là, est sorti en force. Regardez, le jaune qui n'était pas préparé, du moins pas mobilisé à 25 minutes d'ouverture des portes, est aussi passé en force. Regardez la vitesse de construction. Et moi, de ce que j'en prévoyais, je prévoyais que le rouge, à mon avis, et j'avais parlé là-dessus, allait vraiment réussir à prendre toute cette zone-là en Dimbroco, et pas Kalchat. Alors j'ai dit Kalchat, mais c'est Dimbroco. Je pensais qu'ils allaient réussir à prendre toute cette zone-là, mais pas du tout. Et regardez, on a des batailles qui doivent avoir lieu là, qui doivent être épiques, voilà, carrément. Alors non, on diminue pas les graphismes, hein, on aime bien, nous, quand il y a tout. Vous le voyez, il y a une très grosse mobilisation des jaunes, hein, les FTSF, c'est les jaunes, hein, qui sont là et qui sont prêts à repousser et qui détruisent un bâtiment, un drapeau des rouges. Donc là, ils vont vraiment se faire repousser. Pousser. Du moins, c'est en cours. Même si de l'autre côté, on a une percée qui essaye d'être faite par les rouges. Hein. On le voit, les rouges essayent d'avancer sur ce flanc-là. Ils ont essayé de poser des forteresses. Hein. J'ai suivi le moment où ils ont essayé de poser des forteresses, mais ça n'avance pas du tout. Et ce qui est très étonnant, c'est que le mauve qui avait été totalement enfermé de son côté, eh ben, arrive quand même à percer et arrive quand même à avancer sur différents flancs. Le fait est, c'est que le rouge, pour le moment, était assez fort pour écraser le violet totalement et l'empêcher de sortir et d'aller en zone après l'ouverture des portes. C'est cette zone-là, elle s'appelle Zarat, voilà, en zone Zarat. Mais il n'est pas assez puissant pour tenir pour le moment. Je dis bien pour le moment, hein, parce qu'il peut avoir des retournements de situation selon les plages de connexion de tous les joueurs. Pour le moment, pour tenir deux flancs, puisqu'il doit à la fois combattre sur ce flanc-là, qui est sa porte, qui est tout de suite là. Mais il doit aussi combattre sur ce flanc-là. Et là, vraiment, sur ce flanc-là, on est sur le dur, hein, comme vous le voyez. Bonne mobilisation des FT, même si ça reste pas énorme. Mais en tout cas, ils sont là. Et je ne sais pas quelle heure il est chez eux. Je pense que c'est un serveur asiatique. Donc pour eux, on est dans la nuit, il est à peu près 2h du matin pour eux. Donc c'est pas l'heure de pointe et pourtant ils sont bien présents là. Et ça se fight, hein, vraiment partout. Les drapeaux là, ils ont été doublés, mais ils avaient été mis en feu aussi, puisqu'on le voit, celui-là était aussi endommagé. Donc un très gros fight en cours. Je vous invite vraiment à suivre ce KvK. C'est vraiment pour moi le KvK du moment, celui-là. Même si on le voit, les FT ont pris l'avantage, c'est pas dit que ça dure, hein, cet avantage des FT. Vous le voyez, hein, leur drapeau avait été attaqué, mais maintenant il est réparé. On va bien voir ce que ça donne. Avantage donc, contrairement à ce que je pensais, avantage au nord, au jaune et au mauve, à l'alliance des jaunes. Et pourtant, encore une fois, j'aurais parié sur les rouges. Avantage au sud, donc avantage net, mais pas total. Au sud, il y a
pas photo, hein. Le jaune et le mauve vont vraiment être seuls parce que les deux autres vont se faire enfermer. Et je pense qu'une fois que les deux autres vont être enfermés, ils vont tous aller au nord, hein. Je pense que l'orange qui est là et le vert va aller au nord une fois qu'il aura réussi à brûler ses forteresses, parce que là elle doit être en train de brûler, effectivement. Et là ça va faire mal parce que le vert a l'air aussi quand même bien bien balèze. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais en tout cas il faut savoir que là le rouge est en mauvaise posture. Et Vilnoun, il y avait une construction de forteresse juste avant que je commence le record, mais elle a été détruite, donc ils ont même pas réussi à poser leur forteresse. On le voit, il y a un rallye. Ah bah tiens, qui c'est qu'ils vont aller attaquer? On va aller voir, on va suivre ce rallye. Ils vont attaquer le flag, ouais, ils vont faire le forcing sur le flag. Donc on le voit, hein, le K530 est encore là, hein, il lâche pas un big bok choy. Et il y a un double rallye d'ailleurs, il est bien parti en même temps. Ils ont lancé un petit double rallye. Ah, c'est rare de voir deux rallyes qui suivent comme ça, qui viennent de loin, un bon timing, les mecs, une bonne organisation. Est-ce que le drapeau va tomber? Est-ce qu'ils vont réussir à le tomber? Est-ce qu'ils rallient bien le drapeau ou une ville? Qu'est-ce qu'ils rallient? Eh bien, ils rallient bien le flag, hein. Il y a pas de, les deux flags en même temps. Ah, c'est intéressant ça. Ils font un double rallye des deux flags et ils vont le swarmer les rallyes. Là, il manque clairement de renfort. C'est un petit peu une opération suicide qu'ils sont en train de faire là, parce que regardez, ils vont se faire swarmer. Donc vous m'avez posé beaucoup de fois la question ces derniers jours, même depuis 24 heures, sur ce qu'est le terme swarmer. Swarmer, c'est assez simple, c'est quand vous avez des troupes autour d'un bâtiment ou d'un rallye comme ça, et au lieu d'envoyer un rallye dessus sur le bâtiment ou sur la troupe, et ben vous tapez directement avec vos troupes, ça vous fait beaucoup plus de dommages, vous prenez beaucoup plus de morts ou beaucoup plus de blessés graves, et c'est ça qu'on appelle swarmer. Vous attaquez sans faire de rallye, vous attaquez en direct. Regardez, leurs deux rallyes se font déboîté là. Donc l'un des deux a été clairement disband parce qu'ils ont vu qu'ils n'allaient pas tenir, et le deuxième aussi a été disband. C'était évident, il manque de support là, c'est suicidaire. Ils prennent des blessés graves pour rien. Je sais pas si c'est pour faire diversion, mais ça n'a pas l'air. C'est une opération, je sais pas quel est le but de cette opération à part user des ressources. Là il faut qu'ils se réunissent, qu'ils se concentrent le rouge. C'est sûr que s'ils jouent comme ça, là ils ont aucune chance de réussir à renverser la situation, parce qu'à part perdre des ressources et prendre des morts pour rien, là ils font pas grand chose. Voilà, écoutez, je vous invite à suivre ce KVK, il est vraiment énorme, c'est l'un des plus intéressants du moment. Pour moi, c'est même le plus intéressant en ce moment à suivre, je vous invite vraiment à suivre. Moi, je vous en donnerai des news lorsqu'ils vont avancer encore comme d'habitude, on suivra hein, ce gros KVK. J'espère les amis que comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment énormément les amis, et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous dis à plus sur Rock.